Le 737 Boost, c'est un programme complet, physique, technique, travail sur le mental. Et il y a 3 mois de cela, nous avons fait des tests physiques pour voir un petit peu où les pilotes se situaient. Et aujourd'hui, nous avons fait des tests d'évaluation pour voir l'évolution. C'est vrai que je suis très fier d'eux parce qu'aujourd'hui, je vois la réelle évolution. Je vois qu'ils ont été sérieux et je peux clairement estimer qu'ils sont prêts pour attaquer la saison. Demain, nous ferons les tests à Thouars, les tests pour voir un peu l'évolution technique et physique également sur la moto. Fait les tests physiques alors pour ceux qui étaient là et on a vu une belle évolution clairement. Donc Baptiste, un palier de gagné au Luc Léger, Jules quasiment un palier aussi, c'est pareil. Gainage, on a quasiment gagné une minute, mais alors forcément ceux qui roulaient moins vite c'est plus facile d'aller chercher des secondes, mais ceux qui roulaient déjà vite, on a aussi progressé, on a aussi été chercher les petites secondes, les petits dixièmes. Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que pour moi, on est prêt avant la saison. Ça tabasse les bras. Et c'est là où il faut être assez malin parce que si tu viens choper tous les trous et que tu freines dans les trous, ça te démonte les bras. Fais attention à ça. Parce que la moto, après, c'est comme si tu avais un bout de bois à la place de la moto. Et là, c'est pas possible. D'accord ? On se soit vite, on se relève d'un coup et après on va dans l'autre. This is so.
Ouais, non, c'était à 2 à l'heure là. À un moment donné, on rentre avec un petit peu d'envie quand même. Hein ouais. Bon, ça va, t'as rattrapé après. C'est pareil. Attention, vous bloquez vraiment votre frein arrière, les gars là. Baptiste, Samuel, tu me l'as fait deux fois. Légèrement le bloquer, tu vois. Je pense que le mieux, c'est de faire assis. Il y a l'amorti où on vient fort et on vient mettre du poids sur l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui-là, il est important ici. Hein. D'accord? Là, on a gagné un peu de vitesse sur la table. Avec voilà, le terre. C'est bien ouvert pour rentrer le garage. Bah, là, il faut. C'est parti, on va venir un petit peu extérieur. Petit rond de pivot. Recouper, ouvrir, tu vois. Petit peu. Super piste, c'est sec et là il y a un intrus pourri de la tête aux pieds. Mon vieux Samuel, qu'est-ce que t'as fait? Là on fait un petit travail d'impulsion, de mobilité aussi, voilà, avec très peu d'élan. Il fait un grand soleil, franchement on n'est pas à plein. Au pilote de venir me rejoindre. On va faire une petite réunion un petit peu pour prendre le ressenti de chacun par rapport au 737 Boost, de comment ils l'ont vécu. Et voilà, on ira manger tranquillement tous ensemble au restaurant, notre petit rituel du 737 Boost. Maintenant, ce que je veux surtout, c'est qu'on ne parte pas dans les travers pendant les courses. Hein. Les courses, c'est là où en fait, on met en application ce qu'on fait à l'entraînement. C'est pas là où on fait plus. C'est là où on met en application ce qu'on sait faire. Le danger, c'est de vouloir faire plus. C'est là où on peut faire mal, c'est là où on peut du coup reperdre ce qu'on a acquis, on va dire, par des blessures où on a arrêté de prendre. Pensez-y, c'est hyper important aujourd'hui de construire quelque chose. Vous êtes en construction, vous êtes des jeunes pilotes. Aujourd'hui, vous êtes en construction. D'accord ? Les pilotes que j'ai là seront plus matures dans 6 mois, seront meilleurs dans 6 mois. Et voilà. On n'atteint jamais le maximal de sa progression, sachez-le. Et continuer dans un état d'esprit positif. Voilà, il y a des moments qui servent à la séance chrono et derrière des manches avec des temps des chronos. Parce que ça, c'est un réel objectif. Comment tu veux faire une manche et savoir que tu as bien remis? Si tu n'as pas de référence. Alors oui, il faut un accompagnement à côté, il faut une référence, voilà. Ou un ami. Bah, t'arrives à le savoir, ça te va pas bien, c'est bien, pas bien. De toute façon, maintenant, vous connaissez aussi. Hein. C'est ça aussi le but. Je voulais, en fait, à travers ces 737 pouces aussi, vous appreniez à vous connaître. Et puis, il faut qu'on bosse encore de la technique. On a encore de la technique à aller chercher. Même de la vitesse. Ouais, mais avant vitesse, on a de la technique à aller chercher, clairement. Tu vois. Comment ça va? Ça a été quoi ton ressenti?
Tes moments difficiles, meilleurs moments. Bah, le plus difficile, c'était ma geste. Ouais. Oh, là, j'ai calé une droite virage, j'étais tombé 2 ou 3 fois. Bah, là, genre, après que tu m'aies raisonné, ça allait déjà mieux, j'étais déjà plus motivé. Mais avant, j'étais vraiment au fond du trou. Il m'avait dit, je voyais tout le monde. T'as dit, quoi, je me suis arrangé. Ouais, en plus, je voyais tout le monde qui avait un niveau bien plus rapide que moi. Du coup, ouais, je me suis dit. Et entrée de virage aussi, les freinages, je suis beaucoup. Moi, t'as plus grosse progression, c'est là. Je suis beaucoup moins bonne. Parce que ce matin, tu passais fort, là, avec cette confiance, j'ai garé les sur le sous-roue, t'avais amorti combien de J'ai dit, bah là, bon, une gâchette, peut-être 50, ça va pas trop. Ah, mais pourtant, là, je me suis calmé là-dessus. Bah, à chaque fois qu'on fait des manches, maintenant, le premier tour, j'essaye de m'appliquer et après, je me lâche dans la manche tout le temps et ça marche bien. Bah, c'est depuis Loun, parce qu'à Loun, j'étais vénère dans le gamin. Il y a Loun, il a passé, je le redis, je l'ai dit ce matin, moi, je suis fier de ce que vous avez fait. Je suis très content du groupe. Je me répète, hein, mais je vais insister là-dessus parce que c'est important quand même. Donc voilà, j'ai vu des fois des photos, des messages, des machins. Bah c'est top et je vous remercie pour ça. On va manger ? Vous avez vu, j'ai mis la petite chemise. Ouais. C'est ton genou, il a accroché. Avec le masque, Alors c'est vrai qu'au début, le premier boost, c'était inconnu pour tout le monde. Personne, on se connaissait pas vraiment, on va dire. On a appris à se connaître, on a su rigoler. On a su être sérieux et ça, honnêtement, c'était top. Ça a donné une super ambiance, ça nous a tous aidés à avancer aussi. Et je remercie autant les pilotes que les parents pour cet hiver en tout cas. Merci Valentin. Merci Fanny aussi. Merci Fanny.